La boucle locale téléphonique est la partie de la ligne téléphonique allant du répartiteur de l'opérateur téléphonique jusqu'à la prise téléphonique de l'abonné. Celle du Sénégal, jusque-là, appartenait à la Société nationale des télécommunications. Mais l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP a lancé le 10 juillet 2018 le dégroupage de la boucle locale. Les opérateurs auront du mal à répliquer l'infrastructure existante. C'est la raison pour laquelle l'autorité de régulation peut se saisir de cette question pour apporter des solutions quant au partage de cette ressource essentielle. Le dégroupage vise, entre autres, la liberté de choix du consommateur, une diversité au niveau des services et une baisse des tarifs de détail. Cela va favoriser le développement de la concurrence et la promotion de services innovants dans les télécommunications. Il s'agit ici des tarifs de gros. La cible, ce n'est pas le client final. Ça concerne également les fournisseurs d'accès Internet qui sont venus et qui ne pourront pas, bien entendu, mettre en place une telle infrastructure. L'idée du dégroupage de la boucle locale a été lancée depuis 2005, mais s'est heurtée à des réticences de la part de l'opérateur historique Sonatel. Le processus s'est accéléré à partir de 2015 et les dirigeants de l'ARTP assurent que l'organisme a retenu une démarche concertée et inclusive.